J'espère que vous allez bien les amis, j'espère que vous êtes dans la forme, j'espère surtout que vous êtes prêts pour cette petite vidéo détente sur Minecraft sur le serveur Hypixel où nous allons faire une grenouille. Voilà, moi je vote pour grenouille parce que ça a l'air cool. Donc on se retrouve en build battle, bien sûr vous aurez deviné. Et c'est Miroir qui a gagné. Mais c'est nul Miroir. Oh mon dieu, ok, bon, grenouille c'était nul aussi, mais je veux dire c'était pas miroir, tu fais ça comment miroir? En ça? Mais ça va être moche. Oh mon dieu, oups, on va prendre du jaune. Ouais, on va prendre du jaune comme ça, vite fait. On va voir, écoutez, j'ai une petite idée derrière la tête. On verra bien ce que ça va donner, mais miroir. Miroir, dis-moi qui est la plus belle. Oh là là. Il faut essayer de faire un truc qui ressemble à un truc, voilà. Donc ça, c'était la phrase la plus utile de la vidéo, c'est important de préciser. Donc un truc qui ressemble à un truc. Bah écoutez, on va s'arranger pour que ça ressemble à quelque chose. Et on avisera après si jamais ça ressemble à rien. Ce qui est fort probable qu'il arrive en fait. Mais c'est pas grave, écoutez, c'est pas grave. Ok, comme ça. Donc j'espère vraiment que les amis vous allez bien. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas retrouvé sur une petite vidéo détente comme ça. Mais j'avais envie de vous en faire une aujourd'hui. Pourquoi aujourd'hui, j'en ai aucune idée. Mais aujourd'hui, j'avais envie. Et c'est comme ça. Ok, donc quand j'ai envie, je fais un truc. Quand j'ai pas envie, je fais pas un truc. Et ça, les amis, c'est cool. Ça, c'est cool. Donc, un petit peu de build battle, ça fait du bien. On est de retour aux sources, comme on dit. J'en ai fait quand même quelques-unes au mois de décembre, je pense. Ça vous avait bien plu. Donc, je peux pas vous promettre, par exemple, qu'il y en aura de façon régulière. Mais je sais que quand il y en a, ça vous plaît. Donc, du coup, c'est encourageant d'en faire quelques fois. Mais pas trop, hein. Faut pas trop profiter des bonnes choses. Ça, c'est comme le chocolat. Si on en prend trop, ça marche plus. Faut en prendre juste un petit peu. Ok, il reste 3 minutes pour faire un truc qui ressemble à un truc. Voilà. Donc un truc qui ressemble à un miroir en fait. Pas un truc qui ressemble à un truc parce que miroir ça a un nom. Ok, donc j'ai fait ça. Et là, ça c'est censé être le miroir, ok? Vous comprenez le principe? Ouais, je suis sûre que vous comprenez le principe. Donc ça, c'est censé être le miroir. Et basta quoi. Voilà! On a un joli miroir. Vous trouvez pas? Clé. Je vais tenter quelque chose. Je vais tenter quelque chose. Attendez, là. Attendez. Je sais pas ce que je veux tenter, en fait. En fait, oui, je sais ce que je veux faire. Je sais juste pas comment le faire. Alors ça, c'est censé être des doigts, d'accord? Donc la personne, elle a une main très bizarre, écoutez, comme ça, et elle est en train de tenir le miroir d'une façon très bizarre. Écoutez, faut pas chercher à comprendre, dans la vie, il y a des gens qui ont des mains avec une forme chelou, et c'est des choses qui arrivent, écoutez, on peut rien faire comme ça. Donc ça, c'est une personne qui aime beaucoup, regardez, de tenir son miroir avec sa main, qui ressemble à rien en fait. J'aurais pas dû faire cette main. Je pense qu'on va rester sur l'idée... on va enlever ça. Je pense qu'on va rester sur l'idée juste originale du miroir. J'ai voulu faire une main, mais ça ressemble à que dalle. Ça ressemble à que dalle. Donc, on va juste peut-être changer le sol. Voilà. Et, écoutez, on va mettre des effets de... de cœur. Voilà. Parce que c'est le miroir de l'amour. Waouh! Waouh! T'es trop beau! Waouh! C'est ça que le miroir dit.
J'ai quand même hâte de voir qu'est-ce que les gens vont avoir fait. J'avais mis du doré parce que je voulais faire quelques trucs dorés, genre comme ça. Au final, c'est nul. Donc, on va rester sur l'idée de base qui est également nulle, mais on s'en fout. Je sais pas s'il y a des gens qui vont avoir fait des gros trucs, genre. Attends, on va mettre du doré là. Genre avec des reflets dans le miroir et tout, là, ou pas du tout. Je sais pas. Écoutez, on va voir. Mais nous, on a fait ça. C'est. Ouais. C'est ça qui est ça, quoi. C'est. Ouais, on a déjà fait mieux. Je suis d'accord avec vous. On a déjà fait mieux. Mais écoutez, c'est pas grave. Ok, donc on va voter. J'ai vraiment hâte de voir ce que les autres ont fait. Ok, donc ça, c'est un miroir pour se mettre joli. Allez, je mets ok. Donc déjà, ça va. C'est à peu près à notre niveau. Donc, un niveau assez normal. Ouais, d'accord. Nous, on a un petit peu plus de détails que ça. Donc, ça va. Pour l'instant, je trouve qu'on passe. Ok, donc il a fait un mec dans un miroir, sauf qu'il n'y a pas le mec de l'autre côté. L'idée en soi, elle est bien, mais c'est pas exactement ça, quoi. C'est pas exactement ça. Donc, les gens ont beaucoup fait... c'est buggé. Oh non! Oh non, les gens, comment on va faire pour savoir si on a gagné notre miroir? Choquée, déçue. Oh non. Oh non, 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 non. Pourquoi le serveur il bug quand j'essaie d'y aller? Ah, ça c'est pas juste. Je suis triste. En plus, ça faisait super longtemps que j'étais pas allée sur le serveur. Il faut qu'il bug ce soir, quoi. Mais quel vilain serveur. Mais quel vilain serveur. On va devoir aller ailleurs. On va devoir aller ailleurs. Et je vais devoir couper cet enregistrement et faire comme s'il n'avait jamais existé. Et ça, j'aime pas ça. Oh! Ah, c'est bon! C'est à moi! Allez, mettez Epic pour moi! Vite, votez pour moi! Allez! Votez pour mon miroir de l'amour! Ah! Ça, c'est pas mal. On met OK. Mais ça veut dire qu'il y a plein de gens, en fait, qui n'auront pas eu de vote. Donc, le vote de fin sera pas génial. Ah ouais, je l'avais même pas vu, vous voyez, moi j'ai même pas pu voter pour lui, mais ça va. J'ai pas pu voir les autres, je suis un peu choquée et déçue, mais au moins on aura pu finir cette partie. Et bah GG, écoute, GG à toi, chère personne qui a fait miroir. Et en plus, similaire aux nôtres, non? Dans la forme, c'est sûr que lui, il a plus de détails, mais au niveau de la forme, il est assez similaire aux nôtres. Du coup, bah on va retenter. Et on va espérer que ça fonctionne. Et que ça ne bug plus au moment du vote, parce que sinon c'est pas juste, ça nous fait bosser pour rien, et là moi je deviens triste. Et je deviens triste et je pleure, et vous voulez pas que je pleure. Bouf, j'étais tapée. Ok, ça va être quoi les thèmes cette fois-ci? Allez, un thème cool. Alors, chapeau, jellyfish, book, book. Il y a deux fois book? Apple. Ah, j'avais pas vu Apple. Butterfly, moi je vote pour un papillon. Jellyfish, je sais pas ce que c'est pas genre les trucs qui se mangent. Oh non, c'est ce truc qui a gagné en plus et... J'ai pas mon téléphone pour voir à quoi ça ressemble vraiment, parce que j'ai pas d'idée de à quoi ça ressemble. Attendez, c'est bon. J'ai récupéré le téléphone de l'amour. Jellyfish. Alors, c'est quoi ce truc? Image. Ah, c'est une méduse. D'accord, c'est une méduse, je comprends. Ouais, ok. Ok. Bordel. Bon, là déjà, on a perdu au moins une minute, là, parce que je connais pas mes mots anglais. C'est pas grave. Ok. Et faut aussi prendre du pink, mais du pink en fenêtre. Voilà. Ok. Donc là, ça va être un peu bizarre ce qu'on va faire. Faut que vous en soyez déjà conscients. Ok, ça va être assez chelou. Donc déjà ça, on va commencer par faire un truc... on va la faire carrer notre méduse. Écoutez, j'ai pas trop le temps de me prendre la tête avec les cercles là. Donc on va se faire une petite méduse très 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 carrée. Voilà. Donc ça, c'est très, 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 très le carré. Une, deux.
Voilà. Ok, donc déjà, on a ça. On va mettre des taches violettes plus tard. On va se concentrer quand même sur le plus important, qui est ses pattes. Donc ça, c'est ses pattes, là, c'est... Bah, ses pattes, quoi. Les trucs qui font de l'électricité, là. Les trucs méchants qui piquent, là. Attends, elle a une patte droite. Ça, c'est une patte qui sera pas droite. Voilà. Donc, c'est des pattes qui flottent, bien sûr, parce que c'est une méduse. Pas trop non plus, faut pas déconner. Voilà. Voilà. On en fait une autre ici qui va aller dans cette direction comme ça. Voilà. Ok, donc notre méduse, elle est chelou. Elle est très, très, très. Ok. Donc, déjà, elle est chelou, la méduse, là. On va pas lui mettre des pattes qui vont autant devant parce que c'est vraiment chelou. J'ai que ce mot à la bouche aujourd'hui. Chelou. Chelou, 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 chelou. Ok, donc ça, c'est les pattes de méduse. Ah non, j'ai pris de la laine. Je voulais pas de la laine, moi. Je voulais de la claie. Donnez-moi de la claie. On va lui mettre quelques petites taches violettes. Comme ça, on aura une méduse tachetée. Ok, et on va essayer ensuite de rendre notre méduse fort sympatoche. Avec des bannières. On va faire ça avec des bannières. On va lui faire quoi? Allez, elle va avoir des yeux blancs. Je sais, c'est pas très original. Comme ça, mais elle va avoir les trucs violets. Voilà. Comme ça, la méduse. Ouais. Ouais, comme ça. Ok, ensuite, on le refait. Ça, ça. Merde, j'ai fait quels yeux? J'ai fait lui, donc là, je dois faire lui. Comme ça. Et voilà. Oups. Cool! Notre méduse, elle a l'air sympathique. On peut pas lui faire une bouche aussi pour qu'elle ait l'air encore plus. Non, pas une bouche blanche par contre. Annulé! Je veux une bouche noire. Avec des dents. Blanches? Allez, des petites dents blanches. Voilà! C'est une méduse bouffeuse d'êtres humains. Ah! Je vais te manger, toi et toute ta famille! La 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 la! On va lui mettre une tête. De couleur. Comme ça. Non, comme ça. Couleur corail. Waouh, je suis toute timide parce que je vais te manger, toi et toute ta famille. Peut-être finalement, on va lui mettre rouge, rose. Ouais. En fait, je pense que. On va. Ah, mais attendez, il y a un truc que j'ai pas fait là. Ça. Il faut au moins donner l'impression qu'elle est dans l'eau, quoi. Ok. Je panique, je panique. Ok, on va la laisser comme ça, notre méduse. Waouh. Mais qu'est-ce qu'il a fait, le mec? C'est moi qui ai rien compris? Ah, bah voilà, ça c'est une méduse, mais elle a un trou en plein milieu. Elle a un trou là, fallait finir quoi. Enfin, il lui reste un bloc à poser. Ah, elle est transparente, il y a de l'eau. Allez, je mets OK. Je mets OK. Mais ça, c'est un poisson! C'est pas un poisson qu'on veut, nous, c'est un jellyfish. Oh là là. Ah, celle-là, elle est très jolie. Celle-là, on met good. Elle est super jolie, celle-là. Nous, on, ben, la note, elle a un visage. Regardez, c'est la note. La note, elle va vous manger. Ram. Ram, miam, 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 miam. Vous êtes juste jaloux. C'est pas un gas. Les gens sont méchants dans les commentaires. C'est une méduse qui veut vous manger. Ça ressemble à rien, en fait, je trouve. Et ça? Ouais, je sais pas trop. Celle-là aussi, c'est bizarre. C'est mignon, mais c'est bizarre. Je sais pas trop quoi penser de cette méduse. Elle a pas de visage. Oh, c'est trop triste. Je mets OK quand même, mais elle a pas d'expression faciale. Je savais que quelqu'un ferait Bob l'éponge avec son filet.
Ah là là. Ah là là. Mais quelle originalité. Par contre, on voit rien à cause de ta lumière que tu mets. Je mets OK. Je mets OK pour toi. Ouais, mais pixel art, c'est facile. Allez, je mets poupe. Moi aussi, j'aurais pu faire ça, là. Bleu. C'est très bizarre, bleu. Mais je mets quand même OK. Voilà. Je mets OK pour le bleu. Ouais. T'as pas compris le thème, mon pote, hein? T'as voulu faire un truc avec Bob l'éponge, là, mais tu t'es foiré. Et oh, c'est des méduses amoureuses! Je mets good. Quoique non, ils ressemblent à rien, alors. C'est des méduses. Ouais! Je suis d'accord avec ce choix. Ah, on a fini 12e! Les gens, ils ont vraiment pas aimé notre méduse avec une bouche. Je suis triste, il était cool, notre méduse avec une bouche. Ah, ça, c'est un filet, j'avais pas capté. Ouais, ça va. Celle-là, elle était bien. Elle était bien, celle-là, mais je suis quand même choquée des gens qui n'ont pas aimé notre méduse avec un cactus. D'ailleurs, j'ai même pas regardé, on avait fini combien avec cette histoire de miroir. Je sais pas s'il est trop tard. Hein. Ouais, il est trop tard. C'est pas grave. C'est pas grave. Je verrai au montage. Bref, donc nous les amis, c'est sur ce que nous allons nous arrêter pour cette vidéo. Je suis très sombre, je trouve. Si jamais elle vous a plu, n'hésitez pas, comme à votre habitude, à laisser le bébé pouce bleu et le bébé commentaire. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne afin de m'encourager dans mes futurs build battles parce que là, ça n'allait plus du tout. Et nous, bah, écoutez, on se dit à très bientôt pour la suite et je vous fais des bisous bisous.